Bonjour à tous, je suis Xavier, animateur au Jardin des Plantes, et aujourd'hui je vous propose de réaliser d'une part une couronne pour les fêtes de fin d'année. Alors, pour ce faire, nous utilisons avant tout une base avec des branches de bouleau que nous avons superposées l'une sur l'autre, donc on a deux longueurs d'un mètre à peu près, qui vont nous servir de base pour faire reposer des branches d'épicéa. Donc là on a des longueurs de 30-40 cm tout autour, sur lesquelles on va poser petit à petit les petits éléments que sont notamment le houx, avec ses baies rouges, cette couleur rouge qu'on va retrouver avec le pommier d'ornement qui est ici, le Malus Everest, du cornouiller à bois rouge également, et puis donc voilà, on essaye de les dispatcher un petit peu sur l'ensemble de la couronne. On va compléter avec des éléments qu'on peut garder au grenier, hein, tous les cônes de différents conifères. On a le cône d'épicéa ici, nous avons les cônes du pin pleureur de l'Himalaya, des pommes de pin également, et enfin, nous avons également apporté de la lumière par le raffia. C'est également un élément naturel, le raffia qui apporte de la lumière et également de la souplesse à l'ensemble. Donc il ne reste plus qu'à poser cette couronne sur la porte et elle va tenir comme ça sans problème jusqu'à la fin de l'année. Autre travail que l'on peut réaliser avec les éléments du jardin, c'est une composition qui peut servir d'une part pour agrémenter un bord de fenêtre, un balcon et éventuellement, pourquoi pas, poser ça sur la table à la maison. Donc ici nous avons également créé derrière une base avec du bois, notamment du noisetier. On profite notamment des chatons qui vont fleurir bientôt. Nous avons également, donc sur lesquels nous avons remis encore de l'épicéa, une essence très facile à trouver. Et puis à partir de là, voilà, on a apporté une petite composition de cônes différents, du mélèze également, des petites, un semblant de fleurs de cèdre, et puis cette fois-ci du houx panaché à baies rouges, avec cette couleur blanche qu'on va retrouver, avec des petits morceaux d'écorce de bouleau qui apportent cette lumière, et ça permet d'avoir une composition rééquilibrée, solide, et qui peut fonctionner assez bien comme ça en extérieur, qui va durer un petit moment. Voilà, à vous de jouer, bonne fête à tous et à bientôt.